Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur la meuleuse d'angle sans fil, Parkside, tout de suite après le générique. De la vidéo les amis pour le unboxing de la meuleuse d'angle sans fil de Parkside. Avant tout, je voulais vous remercier pour être 2100 abonnés et vous remercier pour le live, un live qui a été fait hier dimanche 24 juin de 20h à 21h. Je remercie tous les participants. Et je remercie votre participation pour le jeu concours que j'avais organisé un peu en loose, mais dont l'objectif principal était de remercier mes abonnés les plus fidèles avec un faux nom de vidéo. Hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris la finalité du geste et de cette vidéo et du jeu concours, et bien, qui se désabonne ou qui quitte la vidéo, c'est pas mon problème. Je remercie encore Moni Yo, l'heureux gagnant du Baofei Nouvelle Saint-Pierre. Hein. Il m'a contacté hier par mail. Donc je vais lui offrir un envoi rapide du Baofei et du cap de programmation. Voilà. Donc aujourd'hui, unboxing de la meuleuse d'angle sans fil Parkside. PWSA20I, enfin LIB2. Hein. Pourquoi l'achat d'une. Tac-tac, je regarde mon écran. Hein. Pourquoi l'achat d'une meuleuse angle sans fil Parkside? Un, pour le prix. Et deux, il y a un moment, on ne peut pas utiliser que du filaire. Hein. Soit pour une distance, suite à une distance de rallonge, d'endroit où on utilise, et surtout la meuleuse d'angle dans la rupture de la normalité, la meuleuse d'angle sans fil, vous pouvez la mettre dans votre voiture, l'embarquer avec vous, et ça vous permet, en cas de situation d'urgence, de couper un canard, couper une porte, couper des barreaux, du bois, des chaînes, des menottes, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas besoin en mode d'urgence de se balader avec une rallonge et trouver une prise. Voilà. Mais avant tout, c'est la commodité du sans fil. Hein. Après le prix, la meuleuse, vous allez voir la batterie 20 volts, il y en a en gros pour 60 euros les deux. Donc ça reste accessible au petit budget. Hein. Voilà. La poignée, les amis. Bah, ce qui est bien, c'est que déjà, elle est dans une valise. Belle valise, hein. Belle grosse valise. Pour les caractéristiques, alors, vitesse nominale de 2500 à 10 000 tours minute. Hein, je pense qu'il doit y avoir il y a un petit potard pour régler la vitesse du disque. Filetage M14, spinner lock. Diamètre du disque 115. Hein. Et en accessoire, il y a un disque métal de 115 mm plus une pierre ergo. Voilà. Il précise bien, batterie et chargeur non inclus. Hein. Voilà, garantie 3 ans, certifié TÜV et GS. Donc, à la base, c'est pas de la merde. Hein. Le coffret, bah ça c'est bien, son coffret, c'est tranquille. L'ouverture de la boîte. Alors, je vais faire un unboxing rapide. Hein. Donc, voilà à l'intérieur un petit manuel d'utilisation en français, en belge, en allemand, en arménien et en suisse. Voilà. Bon. Illustrer les protections, la réglementation pour l'utilisation du truc. Là, je ne sais pas si on verra bien. Voilà, voilà une belle gueule au premier abord. Une poignée.
Hein, pour bien tenir sa meuleuse d'angle, et ça, ah bah voyez, ils ont mis la clé ergo dans le manche. Hein. Bon, c'est pas plus bête, hein. Ça évite de paumer la clé. Pourquoi pas? Ça sent neuf, hein, les amis. Et voilà. Bon, elle fait son poids. Hein. Elle a une belle gueule, hein, quand même. Hein. Ici, un bouton marche arrêt. Alors, la particularité du bouton, c'est précisé dessus, il faut décaler vers la droite et remonter. Hein. Si vous voulez faire direct comme ça ne marche pas. Il faut bien décaler et ça reste en position fonctionnement le temps que vous n'appuyez pas pour couper l'alimentation. Ici, le blocage du disque. Hein. Voilà, on appuie, on tourne le disque pour trouver le cran. Alors le carter de protection, vous voyez, il est quand même pas mal large. Hein. Et ce qui est bien, c'est le carter de protection. Il y a un petit lock comme ça. On tourne comme on a envie. Et on ferme. Voilà. Ça ne bouge plus. C'est carré. Ce qui est appréciable aussi, la poignée, on peut la mettre soit là et soit là. La poignée est toujours du côté du carter. Hein. Donc, ça c'est la meuleuse d'angle. Alors, je le précise bien sur la boîte de la meuleuse d'angle, pas de chargeur, pas de batterie. Et là, il faut acheter le kit chargeur batterie Parkside. Batterie de 20 volts, lithium-ion. C'est parti, on va ouvrir. Il faut des emballages scindés. Ça ressemble au chargeur Bosch. Hein. 230, 240 volts, 65 watts. Tension de sortie 21,5 volts sur 2,4 ampères. Bon, chargeur simple. Et la batterie, voilà. Est-ce qu'il y a un petit témoin de charge? Alors ça c'est bien, il y a un petit témoin de charge, hein, vous voyez? Ça c'est pas mal, voilà, il est au taquet. On va essayer ça. Attention les amis, le clip qui va bien. Après j'avais vu des vidéos, ça pouvait gêner là la poignée tout ça. Et ce qui est bien, il y a le régulateur de vitesse. Alors, on va le mettre au minimum et on va faire tourner la machine. C'est parti. Là, elle est sur un. 2, 3, 4, là on est sur 5, 6, 2500 à 10 000 tours, hein. 6 c'est sur 10 000 tours, hein. Bon. Les amis, hein, pour du mot de secours, hein. Donc, reprise de la vidéo. Ici, j'ai un vieux barbecue là. Il y a de la petite ferraille là. Je vais essayer de couper un peu là-dedans et couper un pied. Hein, on va voir. Donc c'est parti, un pied. Tranquille, hein?
Donc ça c'est limite, hein. Là on voit j'ai essayé de couper le cul de la tôle, hein. On sent qu'à un moment il y a les limites de la batterie, hein. Mais tout ce qui est petite ferraille et tout, là ça je vais le couper parce que j'ai me blessé. Donc voilà, petit test. Bon, les tests, je disais, les disques, hein, sont pas réputés d'être de bonne qualité, mais voilà. Bon, ça chauffe là, ici c'est un peu chaud quand même. Et la batterie, elle en est où? Ouais, déjà, elle est descendue à 2/3. Bon. Je reprends dans le bureau pour la vidéo de fin. À tout de suite. Donc voilà, fin de la vidéo. Dès que j'ai l'occasion, je ferai des petits tests, hein, de meuleuse. Et puis j'espère que cette vidéo pas trop longue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis voilà, je vous remercie tous de regarder mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés. Et comme je dirai en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à vos proches, à votre famille. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Merci, ciao et à plus sur ma chaîne.